Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité. Michel Jean, hôte du Cameroun, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est arrivée à Yaoundé ce lundi sous invitation du président Paul Biya. L'opposition gabonaise est en deuil. André Mba Obam, fondateur de l'Union nationale, a tiré sa révérence ce dimanche. À cette annonce, des heurts ont éclaté à Libreville, la capitale. Et puis quel bilan pour l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 22 ans après sa création. Nous ferons le point en fin d'édition avec son secrétaire permanent, Dorothée Kossi Sosa. Michel Jean, au Cameroun, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée à Yaoundé, la capitale, ce lundi pour une visite officielle de 4 jours. Elle doit s'y entretenir avec le président Paul Biya au centre des discussions, la coopération entre le Cameroun et l'OIF. Reportage de Narcisse Noubé, notre correspondant au Cameroun. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michel Jean, entame ce lundi 13 avril une visite officielle au Cameroun. Lors de son séjour, elle s'entretiendra mardi avec le président Paul Biya. La secrétaire générale de l'OIF va aussi rencontrer des acteurs politiques, des représentants de la communauté internationale ainsi que la société civile camerounaise. Cette visite permettra de consolider la coopération entre l'organisation transcontinentale et l'État du Cameroun. La coopération et les liens entre la République du Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie sont riches et fructueux. C'est notamment pour cela que je tenais à me rendre au Cameroun pour mon deuxième déplacement officiel en Afrique depuis ma prise de fonction. Le Cameroun fait aujourd'hui face au problème de la secte islamiste Boko Haram. Ainsi, la lutte contre le terrorisme sera également au centre des discussions entre les autorités camerounaises et la secrétaire générale de la francophonie. On peut s'attendre également que soient discutées des questions diplomatiques et stratégiques sensibles, notamment ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, à la jonction de la Sud de l'Ouest et de la Sud centrale. C'est une question qui préoccupe un certain nombre d'États de ces deux sous-régions que sont la Sud occidentale et la Sud centrale, et qui préoccupe évidemment aussi une organisation internationale comme l'OIF. La secrétaire générale prononcera un important discours devant les étudiants et le corps professoral des universités Yaoundé 1 et 2 le mercredi 15 avril. À cette occasion, le titre de docteur honoris causa lui sera décerné. L'organisation des prochaines élections fait débat au Tchad. Le pouvoir a annoncé il y a quelques semaines qu'il était impossible d'organiser un recensement biométrique complet comprenant la délivrance des cartes d'électeurs et un kit de contrôle censé réduire les votes multiples. Une déclaration que l'opposition ne comprend pas et a tenu à le faire savoir. Lors d'une conférence de presse ce samedi 11 avril, elle a exigé la mise en place d'un système de biométrie complet. C'est officiel depuis ce dimanche. André Mba Obam n'est plus l'opposant gabonais. S'est éteint à Yaoundé au Cameroun, fondateur du parti l'Union nationale. Il avait rejoint l'opposition après avoir été un des ministres de l'ancien président Omar Bongo. L'annonce de son décès a provoqué des violences à Libreville, la capitale. Il était âgé de 57 ans. Ipara Tindjaye. Décès de l'opposant gabonais André Mba Obam ce dimanche 12 avril. Fondateur du parti l'Union nationale, il fut ministre sous l'ère de l'ancien président Omar Bongo. Leader charismatique de l'opposition, sa disparition attriste la classe politique gabonaise et au-delà. Ma première réaction, c'est de la stupeur. La tristesse qui m'envahit et qui envahit tous les militants de l'Union nationale, parti dont M. Mboban était l'un des fondateurs. Nous savons également que M. Mboban avait été élu en 2009 devant Ali Bongo. Et c'est cette victoire que nous avons toujours réclamée depuis 5 ans. Et malheureusement, M. Mboban était malade et nous déplorons aujourd'hui tous sa mort. Mboban était un militant, un combattant pour la démocratie. Et c'est dans ce sens qu'il voulait, avec tous les militants de l'Union nationale et tous ceux qui sont pour la dignité du Gabon et des Gabonais, c'est dans ce sens qu'il voulait mener son combat. Des heurts ont été signalés après l'annonce de son décès dans la nuit de dimanche à lundi. Arrivé officiellement second lors de la présidentielle de 2009, l'opposant gabonais André Mba Obam et son camp ont toujours réclamé la victoire. Aujourd'hui, les Gabonais saluent le parcours politique de l'homme. On l'a
l'a même considéré comme étant l'un des stratèges du parti au pouvoir. Et une fois passé dans l'opposition, je crois qu'il a incarné, disons, l'espoir de tout un peuple pour la libération. Je crois que son engagement pour libérer le Gabon a été une sorte de repentance. Une sorte de repentance par rapport à des années qu'il a passées au sein du système Bongo. Et une fois dans l'opposition, je crois que ça reflète ce qu'il a fait. Il a demandé pardon au peuple gabonais, pardon de tout ce qu'il a pu faire comme mal aux Gabonais. Et il a lutté. Il a mené un combat. André Mba Obam est décédé à Yaoundé, au Cameroun, où, selon certaines sources, il était soigné depuis plusieurs semaines. Il avait 57 ans. Dans le reste de l'actualité, Hélène Zilé passe la main en Afrique du Sud. Après 8 années d'expérience, la dirigeante de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a annoncé qu'elle ne sera pas candidate à sa succession lors des élections au sein de son propre parti prévues le mois prochain. Une déclaration qui vient confirmer les spéculations de ces dernières semaines sur un possible changement à la tête de ce mouvement qui, nous vous le rappelons, avait remporté 22% des suffrages aux dernières élections. Gros plan à présent sur l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, créée en 1993. Elle a pour principaux objectifs la facilitation des échanges et des investissements et la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Ibarat Ndiaye. Quel est le bilan de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 22 ans après sa création? Elle a plusieurs objectifs et œuvre en faveur de l'intégration juridique des pays membres. L'OADA organise un séminaire les 7 et 8 mai 2015 à Douala, au Cameroun, sous le thème « Regard critique sur les difficultés liées au recouvrement effectif des créances sous OADA et les réponses appropriées ». L'OADA est une très bonne initiative puisqu'elle procède de l'harmonisation du droit des affaires au sein de 17 pays d'Afrique. C'est déjà une initiative novatrice. La problématique du recouvrement des créances est un sujet prégnant et récurrent, à la fois pour les établissements de crédit et pour les entreprises. En effet, si les mécanismes de recouvrement des créances douteuses et litigieuses ne sont pas encadrés par un corpus réglementaire clair et accepté par les différents acteurs, l'intérêt et l'attractivité économique des États pourraient en pâtir. C'est tout le sens du séminaire de l'OADA qui vise à lever et à étudier les possibilités qui seraient de nature à lever l'ensemble des obstacles nombreux rencontrés notamment dans la résolution des contentieux ayant pour origine le recouvrement des créances. Ce rendez-vous devrait permettre à l'institution de trouver des solutions aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Les difficultés de l'OADA procèdent de la méconnaissance des termes juridiques qui encadrent justement le droit des affaires tel que dicté par l'OADA. En fait, il faut beaucoup plus de vulgarisation de façon à ce que les différents acteurs économiques, aussi bien les entreprises que les hommes de droit, aient une pleine et entière connaissance du droit des affaires, parce qu'il faut rappeler que le droit des affaires est celui qui encadre l'activité économique au sein des pays. Depuis sa mise en place par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, reste une institution internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dorothée Kossi-Sossa, secrétaire permanent de l'OADA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Sossa, vous avez organisé ce lundi 13 avril un atelier d'échange sur les actes uniformes révisés de votre organisation. De quoi a-t-il été question concrètement? Alors, nous sommes venus ici à la rencontre des milieux professionnels, le milieu des entreprises, des professionnels du droit et des finances, puisque l'OADA s'occupe de réglementer le fonctionnement des entreprises et également, spécialement, d'encourager le mouvement de ces entreprises dans le sens d'une installation dans notre zone, dans les 17 pays concernés. Nous avons révisé des textes qui étaient en vigueur depuis quelques années et à la demande des milieux d'affaires, des retouches ont été apportées, des améliorations, et il était question d'échanger avec ces milieux sur ces révisions qui sont intervenues. Alors, vous avez en projet l'élaboration d'un fichier régional interconnecté aux fichiers nationaux dans le cadre des activités économiques dans l'espace OADA. Quelle sera l'utilité d'un tel fichier? Alors, il faut d'abord savoir que le registre du commerce, c'est de ça qu'il s'agit, et du crédit immobilier, ce n'est pas une création de l'OADA. Dans tous nos pays, on connaissait déjà le registre du commerce. Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est plus simplement un registre du commerce, c'est un registre du commerce et du crédit immobilier. C'est un registre qui permet d'immatriculer toutes les personnes, physiques ou morales, qui se mettent en affaires.
Et quelle sera la finalité? La finalité, c'est d'abord d'identifier, de savoir que cette personne existe. Et deuxièmement, ça permet d'avoir une idée réelle de leur état d'endettement. C'est important dans le domaine des affaires. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'informatiser ce registre. Nous allons mettre ça en ligne de façon que de n'importe où sur la planète, on puisse s'assurer de l'existence effective d'une entreprise à Douala ou bien à Abidjan ou à Dakar. Et qu'on puisse vraiment faire affaire avec cette entreprise-là. Alors, l'entrepreneuriat est un levier de croissance économique hein, sur le continent. Que fait concrètement votre organisation pour justement dynamiser ce secteur? Alors, il faut savoir que parmi les textes dont nous avons eu à parler, il y a l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Nous venons de réformer donc ce texte-là. Quand on veut faire affaire aujourd'hui dans l'espace OADA, il faut partir de ce texte. C'est en vertu de ce texte que vous pouvez choisir la forme de votre société. C'est en vertu de ce texte que vous allez connaître les procédures à suivre pour constituer effectivement votre société. Et c'est également en vertu de ce texte que la gouvernance de votre entreprise est déterminée. Voyez, donc il est très important que cela soit quelque chose de perçu comme et de vécu. Comme facilitant vraiment la création d'entreprises. Alors l'OADA a été créé dans le but d'assurer la sécurité juridique des affaires. Quel bilan depuis votre arrivée à la tête de l'organisation en mars 2011 et quels sont les principaux obstacles finalement à l'harmonisation et à l'application de l'acte unifié de l'OADA? Alors ne soyons pas trop arrogants. Je pense qu'il faut parler plutôt du bilan de l'OADA en général. Il faut d'abord rendre hommage à nos chefs d'État qui ont eu l'idée de la création de cette organisation, rendre hommage à ceux qui ont travaillé à ça avant mon arrivée. Et il y a beaucoup de ministres de nos pays qui ont travaillé à ça, il y a beaucoup de cadres de nos pays qui ont travaillé à ça, c'est leur mérite à eux tous. Alors, qu'est-ce que nous y avons ajouté? Ce que je peux dire, c'est que nous avons obtenu quand même une très grande confiance des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous avons un appui assez fort de la Banque mondiale à l'OADA pour renforcer les capacités des institutions, pour accompagner leurs actions. Nous avons tout un programme de réforme, vous avez parlé tantôt du régime du commerce et du crédit immobilier, l'informatisation est financée par la Banque mondiale aujourd'hui. Nous avons la Banque africaine de développement qui est avec nous, nous avons AICF, et c'est AICF, Investment Climate Facility for Africa, un fonds qui est à Arusha, en Tanzanie. C'est ce fonds qui a financé, par exemple, l'activité que nous venons de mener ici à Paris aujourd'hui. Et donc, on a des partenaires comme ça qui sont avec nous et nos États qui veillent au grain, qui ont créé leur organisation et qui tiennent à ce que ça accompagne toujours leur progrès. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, nous avons fêté les 20 ans de l'OADA et à cette occasion, on a pu mesurer tous les progrès que l'organisation a pu faire accomplir à nos pays. Merci Monsieur Dorothée Sosa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.